Salut tout le monde, c'est Julius. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette aventure comme tous les dimanches matin avec mon petit Rick. Bon, bien sûr, je suis venu ici, moi. Je me suis un peu éloigné de la ville, comme ils sont tous en train de brûler dans ce coin-là. Et je vais y retourner de toute façon, voir comment ça se présente. Voir si j'arrive pas à, bien sûr, comme je dis tout le temps, m'installer dans cette ville. Bon, avec cette partie, j'essaie de m'adapter. Dans chaque coin, ça dépend s'il y a des bugs ou ça déconne, pour m'installer. Bon, mon petit Rictasso, il fait des petits voyages. Il a une belle petite barbe. Bon, là, je le rase un jour quand même. Et on va y aller. Parce que là, ça commence à être pressant. J'ai soif. Je vais régler ce souci et j'ai faim. Alors, ma casserole, elle est vide. Au moins, ça, c'est réglé. Ah, ça va. J'ai quand même une petite bouteille à la boire. Et je vais voir si j'ai pas un petit truc à manger. Ouais, j'ai plus rien à manger. Ça craint. Ça craint un petit peu. Bon, ce que je vais faire, il va fumer et je vais partir. Ah, si. J'ai les algues à manger. Je vais essayer de m'arrêter dans une petite maison. Ah ben les algues, moins 3 enfin. Bon, on sera déjà ça. Hein. On peut manger un petit peu. Hein. Allez, tes petits besoins. Et 7h du mat. On peut y aller. En même temps, sur le chemin, je vais fumer une cigarette. Allez, mon petit Rick. Faut qu'on retourne à la ville, là, plus loin. Et voir s'il n'y a pas une maison où je peux m'arrêter. Ah bah super, ça commence bien. J'avais oublié qu'il y avait ce petit véhicule qui traînait. Bon bah nous, si tout se passe bien, on se retrouve un peu plus loin. À une petite maison. J'espère arriver quand même à la ville avec mon véhicule en entier. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de m'arrêter dans une de ces maisons. Bon, il y a un peu de monde. Mais faut que je me remplis... Je me remplis un peu les bouteilles d'eau et la casserole. Voilà, il y a du monde, hein, mais c'est vraiment que j'ai beaucoup de malus. Mais j'ai l'impression que c'est une maison assez renfermée. Hein. Enfin, une maison randomisée. Je pourrais peut-être avoir des ressources ici. Hein. Bon, je sais, je casse mon véhicule. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Ma partie est assez animée généralement. Mais là, faut que je fasse un peu plus doucement. Allez, tu vas prendre ton marteau. Ouais, casser tout seulement. Allez, tue ces rampants. Voilà, nickel. Et cette montre commence à m'énerver. Voilà. Ça, c'est cool. Bon, il me faut à manger. Bon, je suis sûr, il y a du monde dedans. Ah, j'arrive pas à voir là. Je viens libérer cette maison. Y'a personne derrière. Non, c'est bon. Toi. Avant de retourner en haut. N'aie pas peur, Rick, n'aie pas peur. C'est bon, t'en as vu d'autres. Voilà. Est-ce que j'arrive pas à voir s'il y a du monde dedans? Il y en a ici. Allez, j'ai juste faim seulement. Je vais juste manger. Et j'ai soif. Ok, salut toi. Ça va? Oula. Oulalalala. T'as pas à venir me voir toi. Là, si je partais avec tous les malus que j'avais là en ville, c'était pas la peine. J'espère juste qu'il y a encore un petit feu. Je vais voir s'ils ont pas des petits briquets sur eux là, ces petits zombies. Ah, je vais aller voir la maison à côté autant qu'ils cassent les barricades ceux-là. Ah, ça a l'air libre. J'ai l'impression qu'il y a personne. J'espère juste que je peux prendre un petit coup à boire. Ah, ça va, je suis rentré à l'arrache comme d'habitude. Hey. C'est qui tape là? C'est qui tape à quelle porte? Voilà, c'est celle-là. Chaque fois, je m'arrête un petit peu. J'ai que mon marteau là, s'il te plaît. Non, 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 non. Non, 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 tu me touches pas. Vas-y, viens. Allez, lève-toi, que je m'occupe de toi. Alors je viens de penser en soi avec le mode, disons plus tard, hein, ce que je peux faire c'est enlever la végétation et ça pourra peut-être me trouver quelque chose, de la nourriture. Mais pas des trucs de fou. Ah voilà. Conserve de... Magnifique, moins 24, 720 en calories. Manger. Et je vais... J'ai oublié d'enlever ce mode. Hein.
Voilà, on remet ça. Comme ça, je sais que quand je dois faire mes besoins. La conserve, on la jette. Je vais remplir. J'ai déjà boire. Je vais remplir mes petites bouteilles. Bouteilles vides. Je me prépare vraiment bien avant de repartir à la ville là-bas. Comme ça, au cas où si j'ai soif. Ça, c'est bon. Ça, c'est vide. Alors, ça, qu'est-ce que c'est là? Je sais pas, c'est des bâtons. Je sais pas ce que c'est. Ah, une wooden. Wooden. Une petite arme pour moi. Nickel. Tissu déchiré sale, je vais quand même le garder. Et là, maintenant, il n'y a plus rien. Tout est pourri. Les items sont très très rares. Il n'y a rien. Et je vais profiter ici de remplir ma casserole au passage. Voilà, comme ça, ça me fait beaucoup d'eau avec la casserole. Je vais faire de nouveau Moirinat. Ah, tiens, la chasse de, c'est bien. Alors, juste voir si j'ai pas une autre arme que mon marteau. Parce que si je le casse, ouais, je vais prendre mon billet de biche de nouveau. Mon petit fameux pied de biche. Juste pas casser mon marteau, même si je sais que j'en ai un deuxième. Est-ce que je suis trop lourd? Non, c'est bon. Je vais le garder en main. Alors, est-ce que toi, t'as un petit briquet? Non, t'as pas de petit briquet. Ici. Y a rien du tout. Bon, bah, je vais aller voir la maison à côté. Hein. Alors, vous avez tout cassé ou pas, là? Laissez-moi voir s'ils ont pas des briquets. Pas de briquets. Pas de briquets. Ah, cette maison, elle m'intéresse. Ah, j'ai cru voir. Ah, non. Sans affect. T'as une lunette de soleil. On dirait que le problème, c'est qu'il arrête pas de tousser. Je sais pas comment remédier à ça, à part prendre un mouchoir. Et qu'il arrête de tousser. Attends, toi, je vais vite te tuer. Voilà. Mon fameux pied de biche qui me tient depuis un très long moment. Ouais, j'ai de nouveau faim. Hein. Ça n'a pas servi à grand chose hein, que je mange cette conserve. Vers derrière. D'abord, vérifier, il n'y a personne. Attends, je viens t'aider. Nickel, vas-y, tu peux sortir. Oh, non. Et pourtant, c'est tapé. Je t'ai tapé pourtant. Et tu m'as fait tomber là. C'est pas cool ça. En plus, je suis tombé par terre. Oh, mes lunettes de soleil. Attends. Je peux les remettre. Merci. Je l'ai peut-être un peu loupé. Hein, mais bon. Pas bien grave, j'ai une nouveau soif, hein, mais comment ça se fait ça? Il fait à 12 degrés. Je vais boire un petit coup. Attendez, vous énervez. Faut pas s'énerver à l'intérieur, je vais rentrer. J'espère qu'il y a beaucoup de ressources de chez vous. Ça serait trop risqué que je rentre par là. Hein. Ouais, ça serait trop risqué que je passe par ici. Je vais essayer de faire les choses un peu plus dans le calme. Cette partie. Sinon, ça risque vraiment de mon petit Rick qui va mourir très rapidement. Je veux au moins qu'il tienne jusqu'au but 42. Voilà, nickel. Un deuxième coup. Et après, tu peux sortir, mon pote. Voilà. Vas-y, sors. Voilà, nickel. Après, je rentrerai. Allez. Coup de pied de biche. Voilà, merci, au revoir. Est-ce que t'as pas un petit briquet? Non, ils ont pas de briquet. C'est pas des fumeurs ici. Alors maintenant, à savoir où est-ce que ça, ça tape là. Mais à mon avis, il y a du loot là-dedans là. Ok, nickel. Ok, ça, cette porte là-bas. Ces deux portes, y'a personne, c'est celle-là. Salut toi, t'étais aux toilettes? Merci, au revoir. Et maintenant on va fouiller, on va voir ce qu'il y a ici. Alors l'anti-sèche, bon, je vais quand même le récupérer. Sachet de sel, je reprends quand même. Enfin les moindres choses maintenant pour manger. Ah voilà, une petite conserve que je vais ouvrir directement. J'ai du verre brisé là. Ah c'est cru. Saucisse viennoise. Ah super l'event, merci.
Merci, Levent. T'es trop gentil. C'est un peu cru, hein. Je vais les garder, pas les manger. On va aller voir dans les chambres. Là, c'est vide. Un sac de sport. Ah, j'en ai pas besoin. J'ai fait tout ça pour vraiment rien, en fait. Hein, parce qu'il y a rien du tout dans cette maison. Je pensais que c'était une maison où il y avait beaucoup de choses dedans. Et y a rien du tout. Moi, je crois que je suis juste prêt à partir voir comment ça a évolué là-haut. S'ils ont bien brûlé. Alors, j'avais juste pas regardé ici. Il y avait une petite bibliothèque. Un petit stylo, je vais les récupérer. Bon. Le souci, c'est que j'ai grave faim. Et j'ai que mes petites algues à manger. Allez. Retire des algues. On va manger. Ah, voilà, on va aller voir comment ça se présente là-bas. Ah, bah j'avais encore une bouteille d'eau. J'ai de la farine de maïs ici. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ce que j'avais posé. L'âge du bûcheron, je l'ai. Alors, il me faudrait un chargeur aussi pour la AK-47. Un jour, je vais tous les avoir au fusil. Allez, c'est parti. On y va. A few moments later. Bon, on y arrive. Juste là, il y a encore un petit peu de feu. Hein. Bah, j'ai l'impression que tout a bien cramé. Il y a encore le feu vers là. Il y avait quand même un bon paquet de zombies derrière moi. Hein. Est-ce que vers ici, je peux maintenant m'avancer un petit peu? Oh, c'est en train de cramer le bâtiment là-bas. C'est pas cool. Bon, j'ai vu que derrière moi, il y avait un gros groupe de zombies qui s'est échappé. Mais là, ce bâtiment, c'est dommage, il est en train de brûler. Bon, je vais m'arrêter ici, parce que ce véhicule, il fait vraiment du bruit. Et au moins, on peut déjà un peu avancer dans la ville. Alors, j'ai un jerrycan. Attends, toi je t'ai vu. T'énerve pas mon pote. Oula. Excuse-moi, j'ai fait un coup dans le vent. Toi tu vas mourir au pied. Au feu. Je crois que c'est une école ici, mais bon, c'est pas bien grave. Avancez doucement vers le prochain bâtiment. Alors toi je sais pas pourquoi tu passes exprès par là. Oh bah tiens. Tu viens de derrière. Toi tu meurs. Oh, Freddy Spiffo. Ah bah lui je vais le prendre. Freddy Spiffo là, tu viens avec moi. Alors, c'est peut-être pas bien. Je vais d'abord vérifier les véhicules. Là le feu maintenant il va se propager à l'intérieur à mon avis. Alors je te disais lui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai l'impression que je suis un petit peu malade à la gorge. Peut-être des fois je change de voix. Allez, on regarde ce qu'est comment est ce véhicule. Bon, il y a les clés. Un petit peu d'essence. Ça peut être utile si je dois fuir rapidement. Celui-là, c'est bon. Ça, c'est bon. Et un cric, mais je n'ai pas besoin d'un immédiat. Là. Petit pansement. Et un petit parfum hein, pour les cocktails Molotov. Et il n'y a pas les clés. J'ai laissé mon véhicule plus bas. Hein. C'est fait exprès. Là, il y a une petite maison à fouiller. Hein. Oula! Oulala, ça sort de la forêt comme ça? T'es tout seul? Allez! Au revoir tout seul! Magnifique! Alors maintenant, non, je vais pas me mettre accroupi au cas où si je dois partir vite. C'est ce bâtiment qui peut être intéressant, il me semble. Alors j'ai déjà fouillé quand j'étais sur un serveur une période. Il y a des armes là-dedans. Je vais aller doucement. Et il y a un camion juste à côté. Hein. Vous avez vu quand j'ai fait le montage l'autre fois? Puis là, il y a un beau camion bien garé qui m'attend. Et j'avais pas vu hein, quand je jouais. Mais en faisant le montage, je suis oh, joli camion qui traîne. Et là-dedans, ça peut être intéressant. Hein. Je vais tuer tous les zombies. Bon, ça va être épisode un peu spécial combat. Hein. Que du combat. Allez, meurs. Voilà, magnifique. Toi aussi, faut qu'il passe. Magnifique. Personne derrière. Ah, vous allez tous mourir. Tous ceux qui n'ont pas cramé. Allez, ceci, comme j'ai faim et j'ai de nouveau soif.
Ah, vaporiseur. Ça, je te le prends. Je vais vite me fatiguer. Allez, beurre. Merci, au revoir. Boîte militaire, j'en ai. Ah, il y a un autre spiffo là. Tiens, je te mets par terre. Il n'y a pas de briquet. Hein. Ça serait cool qu'ils aient des briquets. J'ai vu un paquet de cigarettes. Il me... Bon, ça, j'en ai assez. Hein. Oh. Attends, attends, attends. Toi, t'as une arme. Je vais te la poser par terre. Je sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, là, il n'y a rien. Allez, sortez tous là. Il y a du monde, il y a du monde. Voilà, nickel. Au suivant. Allez, les écoliers qui vont commencer à arriver là. J'ai vu. Ouais, là ça commence à faire beaucoup. En plus, il va vite l'écolier. Hein. Il va un peu vite derrière moi là. Bon, le souci, il faut que je temporise là. Je crois qu'il y a un petit policier aussi derrière moi. Puis là. C'est avec la fatigue que j'ai. Je crois que je vais aller chercher mon véhicule. La faim et la soif. Alors je vais essayer de faire une technique là. C'est de bloquer une partie. Voilà, j'ai bloqué une partie. Voilà, tombe par terre toi. En fait, si je longe là, vous avez pu voir. Il y en a qui passent les barrières. Alors ça fait un peu ralentir. Voilà, et deux, un. Voilà, ils s'amusent à passer à chaque fois. Moi ça me laisse une petite marge. Attention derrière. Non, toi tu viens pas. Voilà. Et comme il est passé, on va laisser le temps de terminer les autres. Magnifique. Et je suis essoufflé. Paquet de cigarettes. Son sac à dos, qu'est-ce qu'il a dedans? Il a rien du tout. C'est pas cool, le petit policier. Juste un gilet pare-balles. Ah, son état, il est en bon état. Je vais échanger avec le mien. Il me semble que le mien, il est un peu pourri. Hop, hop, hop. Attends, on reste le long. Je commence à être essoufflé. C'est pas bon, ça. Y'a personne derrière moi. Vas-y, Rick. Allez, pas le temps d'être essoufflé, là. Ouais, ouais, ça se voit, ça se voit. C'est très compliqué, là. Voilà, tombe par terre, toi. Oula. J'ai fait un petit raté pour toi. Excuse-moi. Je viens me reposer dans le véhicule. Faut que je me repose, là. C'est obligé. En même temps, il est ensoleillé, vent léger. Bon, il est 16h. On va aller se reposer. Avant de partir trop à l'arrache dans la ville. Voilà, j'ai bu. Le souci, c'est que j'ai pas mangé. Alors, l'endurance, hein. On va remonter un petit peu. Alors, la bouteille d'eau, elle est vide. J'ai terminé de boire avec ce que j'ai rempli juste avant. Ma petite casserole. Ouais, comme j'ai faim, je suis très lourd. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, j'ai récupéré mon endurance. Alors, un petit pipi. Voilà, et on part avancer. Alors, comme j'ai charge assez lourde, c'est parce que faut que je mange quelque chose. Hein, mais si je mange sac cru, j'ai pas envie de tomber malade. Et j'ai rien pour me soigner, surtout. Hein. Alors, on va manger des algues de nouveau. Voilà, j'en ai 13. On va tout manger. Bon, ben voilà. Ma faim est passée. Bon, je suis toujours un peu lourd. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Je vais ranger mon petit marteau. Je vais continuer au pied de biche. Et on va avancer vers ce bâtiment là-bas. Hein, que j'ai vu. Alors toi, attends, attends. Viens me voir. J'ai pas envie que tu fasses le tour. S'il te plaît. Voilà. Tu veux pas traverser un petit peu là? Allez, viens. Voilà, meurs. Non, non. Là, je suis en forme pour vous. Et je crois qu'il va bientôt faire nuit. Ouais, 18h. Bientôt l'heure de manger. Ah non. Alors, ils ont rien sur eux. C'est un nigo là. Je me demande si je veux pas me poser vite fait dans cette maison. Je vais rechercher mon véhicule un peu plus tard.
J'aimerais bien voir ce camion s'il est en bon état. Là, il y a du monde encore. Il y a vraiment du monde. Allez, venez, que je m'occupe de vous là, sans attirer trop cela d'en haut. Ça va être assez long de rentrer en main dans ce bâtiment. Oh bah c'est cool ça. Allez, c'était assez vite réglé cela. Ah, un petit couteau. Putain, je te prends. Vous voyez, tuer ces deux-là. Moi, j'en suis débarrassé. Voilà. Le petit tour qui va bien. Le petit coup de pied qui va pas. Et maintenant, faut que tu meurs. Merci. Alors, on va aller voir ce camion-là. Alors, petit camion. Ah, bien sûr, t'as pas les clés. Je m'en doutais fortement. Et il y en a un que j'ai entendu, là. Oh là 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 là, ils sont en train de migrer là-haut. Oh là là. Attendez seulement. Ah ouais, bah y en a qui sortent de là aussi. Je vais revenir du côté de mon véhicule. Ou soit je vais traverser là, en rapide. Allez, viens toi. Si je peux être tranquille juste pour une nuit dans une maison, dormir sur, dans un lit, ça me va très bien. Non, meurs. On se lève pas. Voilà. J'espère juste que mon pied de biche va tenir un petit moment encore. C'est la rue de la mort. C'est la rue de la mort pour eux. Voilà, meurt. J'aurais dû le faire au pied celui-là. J'ai pas pensé. Et là, est-ce que je peux traverser là? Ah, ça va être risqué. Hein. Si je tombe sur une horde de zombies juste là derrière. Ça va être tendu. Hein. Bon, je vais tenter. Bonjour. Les fermiers. Y'a quelqu'un ici? Quelle belle maison. Allez, maintenant faut sortir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Oh, t'as un fusil toi. Oh, j'ai même pas vu en plus. J'ai même pas vu que j'étais essoufflé en traversant. Je suis fatigué. Allez, Rick. Oh, maintenant je me suis foutu un peu dans la misère là. J'ai pas regardé. Y'a personne derrière moi. Oh, un petit fusil. Que je vais laisser là. Faudra que je me rappelle que je l'ai posé ici. Ah, et pourquoi Rick était fatigué là? J'ai même pas fait attention à ça. Moi je cours et je vais être un peu dans la misère là comme d'habitude, mais. Faut que je me repose. Faut que je me repose à tout prix. Et 19h40. Et surtout pas être en pleine nuit. Attends, tombe. Je vais les faire comme ça au pied là pour moi. Vous avez pas un energy bar? Un chargeur est en place. Oh, magnifique. Donne-moi ça. Oh, il y a des balles de 9 mm. Ça c'est cool. C'est vrai que les zombies ils me donnent un peu des petites munitions. Mais c'est pour m'aider. Hein. Ils m'aident un petit peu. Allez, tombe. Tombe, petit. Oh, punaise. Failli. Oh, un petit coup de barre sur la tête. Encore un. Voilà, nickel. Allez, Rick, je sais que t'es fatigué. Ah, mais en fait, ils me droppent tous des armes là. Allez, tous les spiffos là, ils vont venir avec moi. Bon, cette arme, je vais pas la récupérer. Hein. 22 LR, on verra un jour. Allez, sors-toi. Voilà. Ah bon, je croyais que j'allais pas t'avoir. Toi, faut que tu sors, mon petit. Parce que t'as d'autres potes à l'intérieur. Oh, il y a une grande cuisine. C'est une belle petite maison là. Hein. Par où je rentre? Par là? Je vais voir à la porte. Ça va pas prendre de risque, hein, sinon je dors dans le poulailler, hein, tant pis. Hein. Oh là là, que c'est magnifique ça. Que c'est magnifique, il y a des céréales en plus. D'habitude je les garde pour le piégeage, mais là je vais tout prendre. Ah, t'énerve pas là-haut. Hein. Conserve d'haricots. Il y a tout qui est pourri. Du savon, je vais quand même le récupérer.
Vous énervez pas, je fouille juste. Oh non, en plus, t'as envie de faire. Tu veux faire ton petit besoin, Rick, ça va pas ça. Il y a du poivre, un couteau de cuisine que je vais récupérer. Je vais profiter de boire. Tant que je suis là. Je suis un peu trop lourd là. Ah, en fait, je crois que j'ai trop de choses dans mon sac. Là, je le pose dans le véhicule. Je vais faire mon petit besoin ici. Allez, essuie-toi les fesses et on peut retourner. Alors, je vais manger un petit, les algues hein, de nouveau. Et ce petit biscuit, moins 5, c'est déjà ça. Allez, je vais juste passer une petite nuit là-dedans. Ah, t'es là! Je vais rentrer comme ça, je sais. Allez! Allez, Rick! Oh, merci! Il y a des parfums partout, hein. Comme si le jeu, j'ai l'impression, il veut que je crame tout. Ah, il y a un autre pied de biche. Je vais le récupérer. Hein. Alors, monter, est-ce que c'est la bonne idée là? Un petit piano. Ouais, je crois qu'il est en haut. Hein. Mais je serais plus en sécurité en haut de toute façon. Je connais rien du tout dans cette maison. Alors si je trouve le livre menuiserie 1, je le prends direct. C'est quelle porte là où ça tape là? J'essaie de repérer la porte. C'est pas une de ceux-là déjà. Bonjour. Oh, il y a un beau petit lit là. Tiens. Déjà, je vais chercher le zombie là qui tape à une porte. Ah, voilà, c'est la porte là-bas là. C'est celle-là. J'ai vu que t'as tapé ici. Faut surtout pas qu'il y en a plein qui sortent derrière. Allez, Rick, il faut la tuer. Voilà, nickel. Un beau dressing et tout. J'espère, boîte de vis, ok. Ah bah ici, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, en fait, on est juste dans un dressing. Qu'est-ce qu'il y a de joli là-dedans? Il n'y a rien du tout. Bon ben, je vais aller dormir, 22h30. Il est temps de dormir. Une petite guitare. Et, toilette privatisée là-dedans et tout. Hein. Magnifique. Et là, non, il n'y a plus de passage. Ok, bah c'est parti pour le dodo. Il est très fatigué et j'ai faim. Mais c'est pas bien grave. Allez, 22h40. Tu peux dormir, mon petit Rick. On dort un peu à l'arrache ici. Mais c'est pas grave. Ah, bien dormi. Ça, c'est cool. J'ai faim et soif. Je vais de nouveau manger... un petit céréal, mais j'ai pas tout mangé. Ouais, d'accord. Alors, on va juste manger un quart. Regardez un petit peu. Voilà, comme ça, la faim est passée. Il en reste 30. Il y a une petite soif. Bon, il y a des toilettes juste à côté où je peux boire. Je vais profiter de me laver aussi. Voilà, et on va se laver. Voilà, Rick, parce que tout ce qui est équipé aussi, il faut laver. Voilà. C'est déjà un peu plus joli, hein. Au moins on voit ton holster et tout. Alors, qu'est-ce que je peux poser? Déjà les maps de Trelley, je vais les regarder. Quelle grande ville. J'irai peut-être un jour. Hein. J'irai. Si, je sais pas si à 8.42 j'y atteindrai. Mais s'il faut, si je recommence une partie, je la remettrai. Et là, c'est un autre espace. Ok. Alors comme on peut voir, elle est juste là. La dernière fois, je suis arrivé jusqu'ici, hein, il y avait le pont, mais impossible de passer. J'aurais pu passer par là. Ah, je suis pas très loin en soi, hein, d'ici à là-bas. Il y aurait cette ville à traverser, ou même j'aurais pu me poser ici, il n'y avait pas grand monde. Hein. Mais un petit peu de défi pour ma partie, c'est mieux. Alors, bon, j'ai plus besoin de ces maps. Si, je vais quand même les garder au cas où si je dois noter quelque chose dessus. On va essayer de se faire un peu RP. Le chargeur est en place. Alors, écoutez, celui-là, je vais juste retirer le chargeur. Et j'ai posé le flingue.
En fait, non. Je vais retirer le chargeur de celui-là parce qu'il est en mauvais état. Voilà, celui-là, on le vire. Et je m'équipe celui-là. En meilleur, il est en meilleur état. Je sentais déjà qu'on allait me dire que je garde celui-là en mauvais état. Hein. Ce chargeur, on peut le ranger. Et ça, c'est cool. Oh, t'as envie de fumer, Rick? Bon, on va sortir, t'inquiète pas. On stresse à fond. Et à son même. Voilà, nickel. Voilà, un petit pistolet en moins. Plus besoin. Et on est paré, hein, il est 10h. On peut avancer. Moi, j'ai des bêta bloquants que je prends jamais. Et je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas ce petit livre de menuiserie 1, menuiserie 3. Bon, je vais quand même le récupérer. Je suis sûr que je vais retourner sur la route après, plus haut. Et les zombies seront de nouveau là. Il y a un Springfield, un chargeur est en place. Ah, il est en mauvais état, hein, c'est pas la peine. Alors, l'agriculture niveau 2, pas besoin. Ici. Ah, c'est juste un grand lit, j'aurais dû me mettre ici. On peut descendre. Alors, j'ai déjà faim, j'ai déjà soif. Hein. Ça va très très vite dans cette partie. Bon, ça, je vais mettre comme ça, hein. Tant pis, je vais cacher. Alors, depuis le début, depuis un moment, mon bras gauche, en fait, il est soigné normalement. Hein. Ah oui, je garde le bandage à chaque fois. Je sais pas ce que c'est ici, hein, ce bâtiment. On va aller vérifier ce véhicule. Des fois, il y a des belles petites choses dedans. Bon, il y a une torche que je vais récupérer. Carte de Louisville, il y a les clés. Il y a souvent les clés, hein, mais pas d'essence. Oula. Ça, je voulais voir à l'arrière. Il n'y a rien du tout. Là-dedans, il y a plein de caisses. À mon avis, c'est que des sacs de tomates ou de brocolis et tout ça. Ça m'intéresse pas trop. Hein. Bon, on va retourner vers la route. Il y a le bâtiment où je veux rentrer. C'est un peu plus haut. Allez, t'es prêt à courir, Rick, à travers la forêt de nouveau. Espérons qu'il n'y a pas trop de monde derrière. Nickel. Ah bah voilà. C'était sur ça que je traverse. Il y avait du monde. Allez, meurs mon petit. Épisode spécial combat. Spécial nettoyage de cette ville. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette fois-ci, je fais sans feu. Voilà, nickel. Meurs, mon pote. Vous avez pas un petit briquet? Je mangeais un demi de ça. On va poser des choses. Oula, 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 oula. Ah ouais. C'est résistant, là, ceux-là qui ont pas brûlé, là. Allez, je vais juste poser des choses dans mon véhicule, s'il te plaît. Ah, je suis courtois avec les zombies. Ah, je savais que t'allais m'entendre. Sinon, je refais un feu ici, nouveau, à l'entrée. Le bâtiment là-bas, il a bien cramé. Hein. En fait, ça m'arrange pas. Parce que là, je suis lourd. Je suis en train de me taper. Et ça m'arrange pas. Allez. Cocktail Molotov, je range. J'ai deux clés anglaises. La pourrie, elle part. Oula. En fait, j'avais pas vu ce zombie arriver. Ah, voilà, c'est mort. Maintenant, j'allume mon véhicule. Quoi. C'est super. J'étais en train de ranger tranquillement et lui, je l'avais même pas entendu arriver. Bon, je vais les écraser. Tant pis. Je repartirai de cette ville avec une autre voiture. Enfin, non, normalement, je devrais pas repartir. On va voir si j'arrive à trouver un endroit où me poser. Allez, s'il vous plaît. Allez. C'est bon, je peux continuer de ranger là. Alors, la barre en métal, je vais quand même la garder. J'ai un bol vide. Je vais poser un des couteaux encore. Oula, il y a nouveau du monde. Ah, vous connaissez pas mon véhicule, mon super véhicule qui écrase tout le monde. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Hein.
Alors toujours, je les garde exprès du côté droit du véhicule. Comme ça, je peux fuir rapidement au cas où. Alors, à savoir, je casse mon véhicule. Mais s'il est cassé, c'est un peu dans la misère. Hein. Il y a les clés plus bas de l'autre voiture. Au cas où. Voilà, nickel. Ça fait du bien. Ça fait du bien, vous, les zombies? Je crois qu'il y en a encore un. Oh là là, merci, l'event. Merci, c'est cool. C'est vraiment cool de ta part de faire une explosion. Et là-dedans, en fait, dans ce bâtiment, je sais que vers en haut, il y a des rangements pour des armes et des munitions. Et lui, il est vers où, là? Eh, mon pote. Tiens, mais l'event, maintenant, il... Je vide un secteur pour après l'event il vient et il me ramène tout le monde. Voilà. Ah, j'avais pas vu toi sortir. Voilà, meurs. Pas que ça à faire avec vous. Là-dedans il y a des rangements que je vais aller voir. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore les portes, hein. Je suis pas très sûr. Bonjour. Ah ouais. Allez, sortez là. Sortez d'ici. Je vais juste vous tuer. Voilà ce que ça fait l'event. Ça me ramène du monde. C'est pas cool. Alors, j'ai une nouvelle soif. En fait, je me bats trop. Hein. Je me bats trop, j'ai une nouvelle soif. Mon perso, c'est pas les meilleurs du monde. Je le conçois quand je l'ai créé. Mais j'arrive quand même à m'en sortir un petit peu. Faut que je récupère mon véhicule en haut là. Allez! Magnifique! Il y a un petit Père Noël. Et un footballeur américain là. Allez, ça y passe de nouveau. Oh, j'ai mis une petite truc par terre là. Allez! Nickel! C'est moi où il y a eu encore un event là. Non. Ah, j'ai cru que j'avais perdu une roue. Je crois qu'en fait ma veste elle me donne trop chaud. Hein. Je vais l'enlever ma shérif jaquette. Rester comme ça. Parce que la chaleur de mon corps est un peu trop. Ouais, il fait des, presque 20 degrés. À force de se battre. Allez, on y va. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dedans? Non, il n'y avait rien. C'est bien gardé ici, hein. Bande de vilains, là. Ok, un petit fermier qui arrive. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Venir comme ça, là. Voilà, nickel. À ton tour. Ça fera des morts à l'intérieur. Voilà. J'ai même pas vu à combien je suis à peu près de zombies tués là. 482 en armes. 303 par le feu. 151 par véhicule. Ça fait 936. Je suis bientôt au millième zombie tué. On va atteindre l'objectif des 1000. Enfin, je vais atteindre sûrement les 1000. En peu de temps. Si je suis dans cette ville, hein. Alors ça compte quand même, hein, par le feu. Hein. C'est quoi ça? Attendrisseur de viande. Ah bah tiens, donne. Ah, c'est un petit marteau, je vois à quoi ça ressemble. Je vois rien du tout là. Tac en métal. Voilà, c'est risqué là. Ah ouais. Ouais ouais, je savais que j'allais me faire avoir dans le tournant. Voilà. Ah bah voilà, c'est ce que je cherchais, les clés. Où toi? Ah bah voilà, nickel. On reste par terre. Je cours vers toi carrément. T'en as de la chance. Je vais rentrer par l'autre porte là. Va falloir que je galère encore pour la nourriture. Ah. Oula, 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 oula. Oula, oula. Il m'a effrayé, lui. C'est compliqué
Vous êtes tous y passés, moi je vous dis. Voilà, meurt. Il m'a un peu effrayé celui-là. Il y avait à manger là-haut. Hein. J'ai vu. Il y avait un petit truc à manger. Enfin, deux petites conserves. Faudrait que je monte en haut. Hein. Ça va être très compliqué de prendre cette ville. Je pense que je vais y arriver. Mais ça va être très très dur. Très très dur pour mon petit Rick. Et un long combat m'attend ici. Bonjour. Venez, viens de vous buter là. Pendant sa reprise.